Bon, ok les gars, aujourd'hui je vais m'infiltrer dans un lycée toute la journée en me faisant passer pour un lycéen. Et je suis avec Raphaël. Il est trop tôt. Ouais, on a dormi 2h30. Ah oui, c'est en Alsace le lycée. Le frérot Nicolas nous a dit ouais, venez à mon lycée, ça va être possible. Waouh, c'est un lycée ça. Il est incroyable ce lycée. Ah mais j'ai oublié ma baguette magique. Et attends, c'est là. Nijo, je suis juste là, Nico, on fait comment? La cam, je la mets comme ça. Mec, j'ai pas de sac. Oh, il a oublié un sac à dos, ce... Bonjour. Bon là vous avez vu, on était dans un bureau et tout, on s'est pas fait trop cramer. Par contre, il commence à y avoir des élèves. Ouais, les élèves par contre c'est ça le plus chaud. Pour l'instant je pense que c'est bon, on va pouvoir rentrer les gars. Mec, j'ai trop hâte de m'asseoir sur la chaise et dire mec, si on arrive à s'infiltrer dans une classe gros, c'est incroyable. Ah ouais mec, c'est incroyable. Anthony, c'est ça. Raphaël. Mec, t'as pas de classe? Mec, t'as pas un stylo, un truc? Merci frérot. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de classe. Anthony, il va falloir respecter les règles. Excuse-moi, t'as pas une feuille, s'il te plaît? Merci beau gosse. Merci mec. J'ai pas compris. Il y a match nul, frère. T'es con quoi? Il y a match nul. T'es littéralement con quoi. Oh, je suis un connard. Non, c'était... Casse-toi. Trop facile. Alors, oui. Vous avez compris ce qu'il dit? Pas vraiment. C'est un mauvais cadre. Tu travailles à ta place? Non, c'était juste pas gentil. On en avait parlé, on s'est écrit. Wow. Dites-moi qui vous êtes tous les deux. On est nouveau. Ah oui, on va voir avec le directeur. On fait comment? Bon, ok, je vous ai menti. En réalité, j'ai été invité dans le lycée Sonnenberg. Sonnenberg. Ouais, là c'est mieux. Poursuivre un élève dans le cadre de son chef-d'œuvre. Une épreuve pour avoir le bac, quoi. Donc c'est grave important. J'ai donc dû raconter mon parcours, parler de marketing et de mon métier en général. Alors, en gros, je vais vous expliquer un peu mon parcours avant YouTube. J'ai fait un bac pro menuiserie, c'était pas fait pour moi. Du coup, après, je me suis dit, ok, je vais me lancer sur YouTube, mais en mode sport. Je vais faire coach sportif, sauf qu'encore une fois, je me suis planté. Après ça, j'étais monteur vidéo. Au début, je commençais à faire du montage vidéo pour des youtubeurs, 50€ par vidéo. Après, j'ai été dans le divertissement sur YouTube. Et ça me frustrait de monter des vidéos pour des gens qui ont réalisé le rêve que je veux réaliser. YouTube ne marchait toujours pas. Et bien sûr, j'étais dans la cave de mes parents, donc hyper déprimant, j'avais pas de fenêtre. Du coup, j'avais plus d'idées pour mes vidéos, plus de temps pour moi. Ni pour ma famille, donc au final tout ça, ça a donné du coup une petite dépression. T'as juste à appuyer sur le bouton et là il y a une belle transition normalement. Waouh. La dépression. Bon, on n'est pas là pour parler de mon parcours, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'était une super bonne expérience. Du coup, vous avez compris que c'était pas une infiltration. Merci à l'école de nous avoir accepté de faire ça, c'était trop bien. Et au final, première fois que je parle en public comme ça. En vrai, mec, t'as géré de fou. Et anecdote que je te dis à toi et du coup à eux. À un moment, je te dis, j'ai chialé. Oh non. T'as pas donné ma voix, il était en mode. Et j'aurais pu. Si. Quand je parlais de, en mode, j'ai vraiment réalisé que c'était ma passion et que j'avais que ça, je voulais vraiment faire ça et tout. Oh lolo. C'était incroyable. Est-ce qu'on peut mettre à la caméra un petit moment où il fait... C'est... En fait... J'avais la gorge serrée. Première pause de la récréation d'aujourd'hui et elle est plutôt pas mal. Et la cantine, j'ai faim moi. Regardez l'équipe de ma classe. On va tous au CDI. Vas-y, let's go. Ça c'est vraiment le coup des meilleurs. Ça c'est la paire pour Inox Tag là. Laquelle? Terrasse 4. Vas-y, on voit lui, elle est mille. J'avoue, elle est pas mal hein. Incroyable le petit pont là. Bon les gars, c'est parti. Vous avez vu les petits TikTok de Nicolas là? Un salto jusqu'à temps que je fasse un salto avec lui dans son lycée. Bah voilà, c'est parti, c'est le jour. Oh, t'as rien compris. Concentre-toi. Ça fait 3 fois il te le dit. Donc là tu sors du plan, il fait son salto. Je sors du cadre. T'as pas compris mais... Non, faut qu'il soit dans le cadre. Voilà, dans le cadre, la pute. Bon là on est en CDI, je vous ai pas filmé parce que je m'endormais, on est mort. Et là on va en... Pastoral. C'est quoi exactement? C'est un peu tout ce qui est religion, discussion, débat, quelque chose comme ça tu vois. ça me manque l'école. Ah putain de fou. Bon allez c'est parti, Nicolas, on va où? Nous allons en PSE. C'est quoi PSE frérot? La PSE c'est la prévision santé environnementale. Ouais, et ça y est on est arrivé là? Ah ouais c'est là. Bonjour.
Enchanté. Merci, nous aussi. Excusez-moi, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Merci. Bon, petit cours de PSE, là. Il est midi quelques et j'ai très faim. On mange à 13h. Je vous rends vos évaluations qui sont clairement moins bonnes que les DST. Pour les dilos. Et on démarre le nouveau module. Je m'endors, j'ai plus d'habitude. Là, c'est l'heure d'aller à la cantine, enfin le dernier cours de la matinée. Et tu te rappelles? Oh, attends, pas un truc de l'ancienne. La brûlure indienne. Ah, bah. La brûlure indienne. Je m'en rappelle. Les gars, là, on va aller manger, j'en peux plus, j'ai la tête horrible. Elle est énorme. On va manger là-bas? C'est là-bas pour manger? Manger, manger. Franchement, une note sur 10 pour ce lycée. 10 pour l'instant. Ah non, la queue, j'avais oublié. Bon, on se permet avec les souvenirs, regarde le petit plateau, c'est incroyable, ouais. Pas mal les cookies. Ça, c'est mon dessert préféré en plus, à savoir. Donc, ils ont fait exprès, c'est mon dessert préféré. Et là, tu fais tomber tout ton plateau et tout le monde est à genre. Wow. C'est quand j'étais en cours, c'est ma phobie, frère. Moi, je vais prendre ouais, épinards, blé et petits poulets là. Putain, mais ils sont tous gentils ici, décidément. Et s'il te plaît, fais tomber. Tu sais que ça m'est jamais arrivé, mon ref. Ça fait 6 ans que j'ai pas mangé à la cantine. T'as quel âge? 24. Ah non, mais. Il y a pas marqué, frère. 75. 23. J'ai gagné. Bah, c'est le plus vieux ou le plus jeune? Mais. Putain, moi, le bro de luxe. Attends, vous avez appelé ça comment, vous? Une cruche. Ah! Mais c'est une carafe à la rigueur, ok? Ouais, une carafe, une cruche, quoi. Ou un gros. Non, qui dit cruche ici? Tu dis cruche? Tu dis cruche? Ouais. Tu dis cruche? Clairement. Tout le monde dit cruche, là. Putain, en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais. Pas de blé. C'est quoi cette zone? Non, mais c'est tout à l'heure. En plus, j'ai fait une blague. Tu verras un replay. Putain, en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai pas de blé. Et tu l'as pas vu de 1 et en plus, j'ai fait tomber. Trou du cul en alsacien, c'est hors champ. Niederschaft of the chien. Niederschaft from them. Niederschaft of the chien. Je parle à l'envers. Abonnez-vous. C'est Niederschaft of the chien. Je m'amuse toujours quand je suis avec toi. Oui. Bon, en conclusion, ce repas était vraiment très bon. Il y avait un cookie. Oh, incroyable. Je veux faire une dédicace, s'il te plaît. Oh, c'est bon. Merci. Dédicace à Selon 25. Merci. T'inquiète. Toi, t'es petit en fait. On a bien fini de manger. C'était bon. Mais juste, ça m'a encore plus fatigué que tout à l'heure. Donc, c'est fatigant en fait tout ça. Bon, les gars, je crois que je suis dans la sauce là. Ça va? Ça va et ça va. Ça va, vous voulez une photo? Oui. Quoi? C'est bon. C'est bon? Vas-y, à moi. Je suis sur TikTok. Ah, merci. Merci beaucoup. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Vas-y mon ref, tu vas bien? Ouais, bien. Ça va et quoi? Vas-y mon ref. Qui m'a appelé monsieur? Oh monsieur. Une vidéo pour mon pote. Il s'appelle comment? Ménélic. Ménélic? Ouais. Vas-y. Salut Ménélic, comment ça va mon ref? Dommage, t'es pas là. Vas-y. Tu peux faire avec la vis ou pas? Vas-y. Hey, la vis. C'est trop con. Bon, c'est parti, on est en retard. On est en retard. Bonjour, excusez-nous pour le retard. Bonjour, bonjour. Est-ce que les jeux d'alcool sont ludiques? Bah, du coup, non. Là, ça peut nous mettre dans un état pitoyable. Si on a un responsable à côté, c'est pas dangereux qu'on s'amuse juste avec les amis. Bon, on a réussi à faire éviter les cours de maths à notre ami Nicolas. Oui. Bon les gars, j'ai un truc à vous proposer. On va faire un cache-cache. Wow. Avec Raph, on va aller se cacher et le frérot Nico va devoir nous trouver. On va se cacher du coup dans le premier étage. Pour être honnête, je suis un peu stressé. Dans le lycée, marcher avec une cam comme ça. Et ils disent ouais, tu fous quoi mec? Et moi je dois leur répondre ouais, je fais un cache-cache tranquille. J'allais ouvrir une glace avec plein de gens à l'intérieur. Anthony, je sais que tu vas avoir ce message. Sache que je t'aime. Merci beaucoup d'être venu. Raph aussi, t'es le boss franchement. Là, vous m'avez donné une opportunité de dingue et je vous remercierai jamais assez. Super bien. Bon, là, du coup, ils sont cachés. On va essayer de les trouver. Normalement, ils sont censés être cachés au deuxième étage. Où est-ce qu'on peut trouver des cachettes? C'est des fous. Je suis presque sûr qu'il serait chaud d'aller demander à un prof s'il peut recruter la salle, un truc comme ça. Je sais pas du tout où ils sont. Mais oui, c'est chaud. Attends, avec la porte. Je sais pas du tout où ça peut être. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts. Ça fait peur de ouf. Oh. Non, pas là. Anthony? Non, il est pas là. Il veut dire que je dois être en maths. Merci Anthony. Je vais... you
non, ils sont pas là. Dommage, dommage. Oh, la porte est ouverte. Là, on va au dernier cours et un peu triste. J'avoue, j'aurais bien aimé refaire des cours. En vrai, c'est trop bien. Ça fait tellement longtemps que je voulais retourner au lycée. C'est trop cool. Mais c'est déjà fini. Ça passe trop vite. Alors que sur le moment, j'étais un peu en mode j'en ai marre, j'ai envie de partir. Allez, c'est le dernier cours de. Comment ça s'appelle ? De débat. Débat. Français débat. D'ailleurs, là, on va analyser Marie-Loulou à faire un débat. On va voir comment ça va se passer. Marie-Loulou, comment tu vois, ça va se passer comment tu penses ? Ça va le faire. Ok. Elle a pas d'argument. Aïe ! Marie-Loulou, t'as pas un chargeur. Il reste une demi-heure de cours, après c'est terminé. Je sais que je vais. Ok, on va finir. Ça gaze. Attends, viens. Bon, les refs, ça y est, on a fini le lycée. Donc là, on va devoir choisir nos voies professionnelles. En vrai, j'ai l'impression de faire ça, pas toi, mec? Si, en fait, mais oh, ça m'énerve. C'est comme une fin de colo ou une fin d'année scolaire. Ouais, on va rentrer et je vais être en mode oh, c'est fini. Franchement, je suis dégoûté. Heureusement qu'on n'a pas fait deux jours, je pense que ça aurait été pire. Ouais. Là, un jour déjà, on a le seum. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on voulait retourner dans le lycée et aujourd'hui, on l'a fait et c'était trop cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez le lycée ou est-ce que vous avez hâte que ça se termine? Ou est-ce que vous êtes comme moi à regretter les années du lycée? Voilà. Et on a entendu parler que peut-être qu'on va être invité au bal de fin d'année. Pas trop en dire. Ça. Merci au frérot Nicolas, parce que c'est grâce à quand même à lui qu'on est là aujourd'hui. Bah bref, le lycée en tout cas incroyable, les professeurs, le directeur, truc de dingue. Merci à toi, merci à vous d'être venu. Abonnez-vous à ce petit gars là, il mérite. Il mérite. Ah c'est gentil, mérite. C'est gentil. Comme d'habitude, j'étais accompagné du mec. Merci de m'avoir invité, c'est top. T'as j'ai kiffé de fou. Je te fais vivre quoi. Abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, bisous. Oh non. Putain, je voulais pas que ça finisse, j'ai le seum. Toujours ça finit comme ça, j'essaie d'être sérieux, ça marche jamais. Allez, bisous.